Chambly-Borduas. Alors que les partisans du Canadien de Montréal attendent avec impatience la deuxième ronde, and I'm sure Calgary Flames fans are just as excited, voilà qu'une autre tuile tombe sur C-377, le projet de loi conservateur, antisyndical et purement idéologique. L'Association des joueurs de la Ligue nationale indique que des ententes commerciales concernant les jeux vidéo faits au Canada, les cartes de hockey et les compétitions internationales, entre autres, pourraient être en danger. Le gouvernement comprend-il que son projet de loi bâclé aura un impact négatif sur l'économie du pays entourant notre sport national? Mr. Speaker, our government believes that workers should have the right to know how their mandatory union dues are spent. This is something that Canadians have been asking for, and that's why we continue to support Bill C-377. It's a reasonable bill to increase transparency.